Partager ce qu'on a. Ça doit être le leitmotiv de tout homme ambitieux. Il n'y a pas que la jeunesse de Sigré. M'importe où qui soit une obligation pour moi. Il y a la jeunesse de Mandé, de l'Abbé, de Conakry et partout. Beaucoup de jeunes à Conakry, beaucoup d'associations. Et ailleurs, il y en a parmi nous aussi, parmi vous peut-être qui n'êtes pas là, mais l'autre journaliste, j'ai présidé la même cérémonie de football à Sangiana, mais qui est dans Kouroussa, il y a 8 mois. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières. La jeunesse égale jeunesse, pas de régionalisme, mais une nation. Oui, honorable. Merci. C'est moi qui te remercie. Honorable, s'il vous plaît, nous sommes là dans le cadre d'une activité sportive, mais vu l'engouement qui est là, quel impact cela peut avoir aussi sur le plan politique selon vous? Non, mais sur le plan politique, l'événement sportif dont vous parlez est la conséquence de leur engagement politique envers mon parti. C'est l'une des conséquences. C'est parce qu'ils sont tous PTS, ils sont tous, je ne veux pas parler politique maintenant, mais je suis politique à 100%. Par tous les ports de mon corps, je suis politique. Donc tout ce qui vient, c'est d'abord l'action politique qui a prévalu et qui a donné naissance à l'action de réjouissance, à l'action sportive, à l'action culturelle. C'est une manifestation de leur adhésion. Donc politiquement, c'est une adhésion. Et c'est vrai, c'est pas besoin de vous dire. Et vous savez, et ceux qui disent, voilà. Et c'est vrai, ces derniers temps, vous aimez parler souvent de l'alternance. Est-ce qu'on peut dire que ça commence par là? L'alternance commence par là. Ou si l'alternance commence par là, l'alternance devrait être une institution politique. La première définition de la démocratie, c'est quand l'alternance des institutions qui se chargent des élections, qui se chargent des transitions politiques, l'ensemble de la population et de la classe politique fait confiance à ces institutions sans critique. On dit que l'alternance démocratique est vraiment démocratique. Mais tant qu'il y a des doutes sur l'instrument qui fait le changement, on a des problèmes sur l'alternance. L'alternance, c'est quoi? C'est d'une classe politique à une autre classe politique. C'est d'un parti politique à un autre parti politique. Ça peut être un changement générationnel. Ça peut être un grand pas en avant dans le régime politique. Donc ce changement, on appelle au changement quand l'action en cours n'a pas prise sur les préoccupations de la population. Donc nous n'en sommes pas là encore. Ça sera de faire de la politique ou de sortir de l'ordinaire, l'extraordinaire. Je ne suis pas là pour ça pour l'instant. Je suis un homme responsable et engagé. Le moment viendra où nous allons parler de tout ça. Merci. Merci.